Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendre radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh. Moi t'attendre une annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Esther, chapitre 3. Haman, favori du roi, édit de mort contre les Juifs. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi.
Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther, chapitre 4. Consternation et jeûne parmi les Juifs. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther rappela à Tak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve,
à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Introduction au livre de Daniel. Ce livre a pour titre Daniel, Dieu juge. Je suis un homme membre d'une famille de l'aristocratie judéenne. Daniel assista à la défaite de Joachim, roi de Juda. Avec ses compagnons, il fut exilé à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Dans ce livre est raconté le récit de l'héroïsme de ces 4 juifs à Babylone. Quand Daniel, Belshazzar, Ananias, Shadrach, Mishaël, Meshach et Azaria, Abednego. Comme Esdras, le livre de Daniel est bilingue. Son début et sa fin sont écrits en hébreu, mais la section centrale est en araméen. Les chapitres 1 à 6 contiennent 6 récits indépendants les uns des autres. Cette partie est essentiellement narrative. Daniel et ses compagnons étaient à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit un songe et reçut de Daniel l'explication de ses visions. Un ordre imposa l'adoration de la statue d'or. Ses compagnons refusèrent. Ils furent jetés dans la fournaise ardente et Dieu les sauva. Le roi reçut de Daniel l'interprétation d'un second songe qui se réalisa. Au festin du roi, Daniel décrypta une mystérieuse écriture murale annonçant la prise de Babylone. Les ennemis de Daniel lui tendirent un piège en rapport avec sa vie de prière, mais son Dieu le délivra de la fosse au lion. Les chapitres 7 à 12 comportent des visions divines reçues par Daniel. Cette partie est résolument apocalyptique. Ces visions révèlent l'histoire du peuple juif dominé par plusieurs nations étrangères. La première concerne 4 bêtes, la deuxième un bélier, la troisième un homme vêtu de lin. Chacune est suivie d'une interprétation. Cette partie annonce aussi la guerre entre les rois du Midi et du Nord. Le chapitre sur l'angoisse et la résurrection finale termine ce livre. Le livre de Daniel insistant sur la fidélité à Dieu à une époque où des compromissions de toutes sortes menacent la foi.
Dieu reste le maître de l'histoire malgré un déferlement de violence et de persécution. Le croyant doit se tenir en éveil et désirer la connaissance. Ceux qui auront eu le discernement riront. Daniel chapitre 12, verset 3. Le livre de Daniel encourage les fidèles à suivre les préceptes de l'Éternel, même au milieu des incroyants. Les fidèles se doivent aussi de persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves et les persécutions à affronter. Tout pouvoir temporel, malgré son apparente indépendance, est sous le contrôle de l'Éternel qui est prêt à intervenir pour honorer la foi des siens. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.